À Hong Kong, des manifestants contre la nouvelle loi sur la sécurité nationale brandissent des feuilles blanches, de peur que leurs mots ou leurs paroles ne conduisent à leur arrestation. Une protestation symbolique après la publication d'un document de 116 pages qui précise les nouveaux pouvoirs de surveillance de la police et du gouvernement, des pouvoirs larges et manquant de contrôle, selon des juristes de la région chinoise. Entre-temps, un éminent militant pro-démocratie, Joshua Wong, est sorti de sa dernière comparution devant un tribunal pour une accusation antérieure à la nouvelle loi. Bien que nous ayons encore une chance, nous espérons toujours faire savoir au monde que le moment est venu de soutenir Hong Kong et qu'il est temps pour les Hongkongais de maintenir notre élan. Des opposants comme Wong affirment que la loi met effectivement fin à la liberté d'expression. Pékin le nie, mais cette loi prévoit bel et bien des perquisitions sans mandat, des contrôles sur Internet, de l'espionnage des Hongkongais, de la censure, comme dans l'éducation où des livres ont déjà été retirés des programmes scolaires.